Yo, salut les amis, c'est Mago, c'est Pression, j'écoute! Tu peux retirer ce zoom gênant, s'il te plaît? Salut à tous les amis, et Happy New Year, I hope you got a happy... Enfin, I wish you a Happy New Year, and I hope you got a good Merry Christmas. I will speak only in French, sir. Bon, je vais parler principalement en français, donc je vous souhaite une bonne année, j'espère que vous avez passé un joyeux Noël. Donc ouais, c'est ça, a été un peu la rétrospective un peu de ce qui s'est passé en 2018 de mon côté. Flo du Café Gaming l'a fait, bon, je vais le faire également, donc je m'oblige pas à le faire, mais c'est parce que il y a eu quelqu'un qui l'avait demandé, donc je le fais en même temps sur ma chaîne et en fait en même temps sur la chaîne du Café Gaming. Alors en 2018, ça a été quelque chose d'assez spécial en tant que professionnel, personnel, également sur la chaîne YouTube. On a dit la chaîne YouTube, bon bah on va résumer, bah c'était la démotivation totale l'année dernière, de décembre 2017 jusqu'à octobre, novembre 2018, c'était la démotivation totale, j'avais pas trop d'idées comment avancer, faire des bonnes vidéos, je commençais à faire un peu des lives. J'ai recommencé à faire des lives et ça c'était vraiment sympa. Maintenant que j'ai ce qu'il faut pour faire des lives, je vais pouvoir commencer, continuer et faire comme on avait dit notre ami Yenoul. J'ai fait une petite vidéo avec lui concernant son épisode 300 de Vieille Station, ce qui m'a permis de ce fait parler de Crash Bandicoot Pro Warped. Et malheureusement, bah 20 minutes sur sa vidéo c'était pas assez parce qu'après, avant et après on avait beaucoup parlé de choses. Notamment, j'aurais dû, quand je regarde cette vidéo, j'aurais dû spécifier à ce moment-là, quand on parlait du Triceratops, qu'il y avait un artwork de de Naughty Dog, qui parlait qu'il y avait un Triceratops sur, enfin, qu'il y avait un agent de cortex sur Triceratops, du fait que ça fait un rapport au thriller de Crash 3, de ce fait qu'on pouvait voir des machines, dans un bonus de Moon Medieval. Voilà, machine futuriste, c'est pour ça que le thriller est complètement de Crash 3 est complètement différent de la version finale du jeu. Alors concernant ma chaîne également, on a dépassé les 600, c'est très bien. Donc il y a la FAQ qui va bientôt se tourner, qui a eu pas mal de questions. Faudrait que je tourne ça. Concernant Tournée du Fantasy Mago, on va continuer ça, les trois derniers épisodes. Franchement, j'ai 12 épisodes, j'ai même pas réussi à faire alors que l'année dernière, j'avais fait 23. Enfin, c'est 24, ouais, donc... Pourquoi j'ai pas réussi cette année? Bah, c'est parce que j'ai eu une petite démotivation en début de saison et après ça c'était. Concernant la vie personnelle, alors déjà comme vous avez pu constater, j'en ai parlé un petit peu à pu voir dans un épisode de Tony Fantasy Vago. J'ai deux Pogona, Argo et Fiona. Deux Pogona d'origine australienne, donc j'ai maintenant deux Pogona. Donc dragon barbu. Et le problème maintenant, quand j'enregistre maintenant mes vidéos, on entend les grillons. Alors sûrement, vous devrez entendre les insectes. Et c'est chiant maintenant pour faire les captures de son. Alors voilà, j'enregistre avec ma caméra qui a la micro intégrée. Mais là, faudrait que je prenne la micro pro comme on conseille mon cher ami Flo. Parce que c'est embêtant. J'ai eu également, j'ai investi beaucoup cette année concernant dans mon jardin. J'ai ajouté un grand bassin de carcoy, c'est j'ai enfin grand bassin, j'ai passé d'un 250 litres à 500 litres. Problème, j'ai acheté 6 carcoy, un mode totalement novice qui connaît rien du tout, dans 150 litres. Sachant qu'il faut 1 mètre cube par coy, c'est pas bon. Voilà. Déjà avec les 500 litres, c'est limite, quoi. C'est extrêmement limite. Faut mettre cube 5, grand, minimum. Et 3 mètres cubes, donc ça va être chaud. Donc, concernant les carcoy, j'en ai perdu 3. J'en ai acheté 6, j'en ai perdu 3. La dernière carcoy que j'ai perdu, ça m'a bouffé toute une semaine. Parce que moi, j'aimais bien, j'ai tenté de le sauver. Parce que je voyais qu'il se développait pas en même temps. Cette carcoy comme là était totalement orange. J'ai essayé de la sauver en lui donnant un plus à bouffer. Je l'avais amené, était comme ça. Je l'ai mis dans un petit aquarium pendant 2-3 jours avec une petite pompe que j'avais.
C'est vrai, c'était vraiment petit. Le problème, c'est ben, un Gamecoy dans 5 litres d'eau, ben, c'est pas terrible, quoi. Concernant personnel, un peu plus mon domaine, Crash. Alors, je continue avec les artworks. Ben, là, j'ai commencé un petit peu à récolter les dernières figurines pop. Là, j'ai été voir dans un magasin près de chez moi. Il y a pas mal de trucs Crash. Alors, j'ai acheté les dernières figurines de cette année pop. Là dedans, j'ai enfin, bon, je l'ai pas encore ouvert. Je ferai ça quand je ferai ma vidéo, si j'y arrive à faire une vidéo sur une nouvelle mise à jour de Crash. Là, il y a le pull à l'intérieur. Je l'ai pas encore ouvert. Le pull de Noël, là, que j'avais dit que j'en parlais, l'épisode 500 abonnés, j'avais dit que j'en ferais, qu'il manquait juste ça, mais j'ai enfin eu. Donc, j'y arriverai. Donc, je ferai cette collection de Crash qui s'avance bien. Donc, de ce fait, en parlant de cette collection de Crash, j'ai maintenant un serveur Discord concernant un peu les jeux vidéo et Crash. Donc, si vous voulez voir ma collection en photo, je vais aller sur une liste sur le serveur Discord. C'est un peu plus simple pour voir parce que c'est vrai que là, j'ai pas vraiment la mise à jour depuis 2015. C'est vrai que c'est un peu chiant. Donc voilà, c'était pas fini la parenthèse Discord. Concernant personnel également jeux vidéo, Flou du Café Gaming m'a offert beaucoup, beaucoup de consoles et je l'en remercie. Et je le remercierai jamais assez. Franchement, il m'a offert pas mal de choses, des consoles en boîte, des consoles en boîte japonaise d'import, des jeux, beaucoup de jeux. J'ai un petit meuble à côté de moi quand j'ai été voir, je devrais éviter de faire ça. Il m'a offert beaucoup de jeux depuis, bah, toute l'année dernière. S'il te plaît, cette année pour 2019, évite un petit peu pour l'instant, tant que j'ai pas encore ce qu'il faut pour pouvoir ajouter. Là, la bibliothèque, j'ai pas mal de trucs que je pourrais virer. Là, j'ai, bah, faudrait que je vois pour voir ce que je pourrais retirer là, mais dans des cartons de côté. Parce que là, les mangas, j'ai une pile de mangas que je peux plus mettre. J'ai une pile de mangas, mais il y a plus de place. Parce que j'aime bien aussi les mangas. Tiens, ils sont là juste au moment. J'aime bien les mangas, j'en lis beaucoup, ma soeur en lit beaucoup. Je peux pas citer ceux que j'aime parce que j'en ai trop. En ce moment, je lis plutôt My Hero Academia. J'avais lu fini Last Thunder, malheureusement je pensais que cette série de manga serait beaucoup plus longue et malheureusement elle est très courte. Alors on devait parler de manga sur Café Gaming et un jour je devrais quand même parler parce que là franchement il y a beaucoup de choses à dire et là je vois là sur ma pile il y a Shinobi Eri que je vous conseille. Flo, je te conseille si tu vois cette vidéo. Shinobi Eri, c'est une série parlant sur le Japon médiéval avec des caractères anthropomorphiques, enfin des personnages anthropomorphiques. Et c'est basé sur des faits réels à 70%. 70-95%. Ouais, je lui donnais une fourchette large parce que l'auteur s'est permis de se donner quelques petites folies. Et également trois de mes personnages, alors que je peux parler de mes personnages sur ma chaîne, parce que je sais quand même séparer juste le logo et ma boucle que je laisse. Mais sur ma chaîne, je ne parle plus de mes personnages que vous avez pu voir, à part à chaque spécial abonné, tous les 100 vous les verrez, mais c'est tout. Voilà. Je viens de finir Assassination Classroom. Je me suis fait méga spoiler en regardant une vidéo sur YouTube. Je me dis merde, putain, c'est comme ça qu'il le tue. Il y a quoi d'autre? Bah, il y a deux dommages, j'avais vu. Il y a Splatoon que je regarde. Oui, mon gars, Splatoon c'est pas mal, mais franchement, c'est un peu bizarre par rapport au Splatoon. Et c'est vrai que j'y joue beaucoup à Splatoon. Beaucoup, beaucoup à Splatoon. Pas assez par rapport à mon ami allemand. Tiens, je vais en parler également des liens de la personne avec qui ça va encore. Donc voilà, synthèse manga, jeux vidéo, bah voilà, comme je disais, Flo, bah voilà, j'ai beaucoup de consoles et j'aimerais acheter la Barcode Battler 2. Bah là, elle y est toujours. Il faudrait que j'achète, d'accord, c'est... J'espère que vous pourrez voir avec la caméra, j'ai pas envie de me taper de... Voilà, c'est à peu près un truc comme ça. J'espère qu'on voit très très bien. Ouais, en fin de compte... Voilà, c'est cette console-là. Enfin, c'est une console sans écran, tu peux pas enregistrer vraiment, c'est un truc pour RPG sur table. Par contre, tu scannes des codes, genre les codes barres que tu trouves sur ton paquet de céréales. Et ça peut faire augmenter ton truc, tes stats
comment s'y dire, d'expérience sur ton perso. Ouais, c'est à peu près un truc comme ça, mais c'est vrai, il y a beaucoup de consoles que j'aimerais avoir, notamment bah, des rares. Également, en personnel, je parlais de... Voilà, en personnel, en ami, j'ai rencontré bah, mon pote allemand, que je connaissais de sur un site comme ça. Et c'est grâce à Splatoon que je me suis rapproché de lui, et quand j'ai pu le voir en Allemagne, parce que lui, il est allemand. Alors, bah, il s'appelle... Enfin, son surnom, c'est Phil. Vous avez pu le voir dans la deuxième vidéo de Tony Force Mego saison 4. Et donc, bah, c'est lui qui m'a... Enfin, il m'a pu motiver à Splatoon. J'ai joué hier avec lui, enfin, la nuit dernière. Donc, c'est pour ça que je me suis levé un peu tard. Et donc, voilà. Franchement, c'est grâce à lui que ça m'a donné la motivation de partir en Allemagne. Enfin, normalement, je devais pas vraiment... Si, peut-être en Allemagne, mais... l'année dernière, je suis allé à une convention en Allemagne, à Berlin, au mois d'août. Convention, Fury, voilà, juste pour voir. C'était vraiment sympa parce que je voulais juste voir ce que ça donnait. Oui, c'est un peu bizarre de dire ça, voilà, comme ça sur la chaîne, mais voilà. J'ai pu voir mon pote allemand. J'ai rencontré pas mal de monde, franchement, c'était sympa de faire un peu la fête. Ça m'a fait sortir un peu, découvrir l'Allemagne. Parce que franchement, d'Allemagne, ils ont pas la même mentalité que les... Enfin, à Berlin, ils ont pas la même mentalité que les Parisiens. Ça y est, parce qu'hier, j'étais à Paris. Voilà, je vois la différence, quoi. L'Allemagne et le Royaume-Uni auquel j'ai visité... Malheureusement, je devais faire une vidéo sur le Royaume-Uni que j'ai enregistré en 2015. J'ai toujours pas monté. Voilà. Mais j'ai toujours les fichiers sur mon ordi. Faudrait que je le monte si ça intéresse. Bah, je vous ferai voir mon voyage de l'Allemagne, du Royaume-Uni de 2015 un jour, peut-être. Voilà. Comme ça j'ai pu visiter l'Allemagne, je sais pas grand chose de l'Allemagne à part des photos et une petite vidéo mon pote allemand. Voilà, vous pouvez voir sur le côté, je vais faire un petit peu de ma tâche, ça va être chiant parce que je devrais revoir la vidéo pour faire les montages. C'était un peu sympa parce que lui il s'est déguisé en Conker de Bad Fur Day, faudra que je fasse gaffe à la batterie de ma caméra. Il s'est déguisé en Conker de Bad Fur Day parce que lui il est un grand fan, moi je suis Crash, parce que moi j'ai rencontré la PlayStation, elle est avec Crash, lui c'était Nintendo avec Conker, donc voilà. Voilà, et concernant les amis, bah voilà, j'ai rencontré pas mal de monde sur le serveur de Flo du Café Gaming, parce que le Discord de Flo, il y a un Discord de la chaîne du Café Gaming, auquel je suis un peu copropriétaire à peu près, et que moi j'ai du mal à me motiver pour faire des trucs, et j'aimerais développer la chaîne, et voilà, de ce fait là. Et également, professionnel, voilà, j'ai le dernier chapitre de cette année 2018-2019. J'ai l'habitude de parler de mon boulot. J'ai toujours le même boulot, hein, vous inquiétez pas, j'ai le même depuis 2014. Je suis aide opérateur, je suis plus manutentionnaire cariste intérimaire débutant. J'étais intérimaire, manutentionnaire et cariste débutant depuis 2016. Avant j'étais que manutentionnaire intérimaire. Après j'étais intérimaire manutentionnaire cariste. Et après bon, c'est plus cariste vers la période d'été. Après c'était plus manutentionnaire, sur un pied sur le aide opérateur. L'aide opérateur c'est juste pour aider les opérateurs de les lignes de chaîne. Je vous explique pas trop, c'est un peu chiant à expliquer, c'est un peu long surtout. Et mon boulot, bah ça y est, depuis le j'ai mon contrat qui est dedans, voilà, j'ai à peu près tout, je n'explique pas ce qu'il y a dedans, c'est juste mon contrat de travail. J'ai en professionnel, bah, ça y est, j'ai signé, j'ai un CDI. Et bah voilà. Voilà, bon, c'était un peu tout. Je pense que j'ai parlé de tout concernant l'année 2019. Maintenant, on va être très très rapide. Je vais continuer à acheter des jeux. Je vais continuer à acheter des trucs Crash. Je vais continuer à acheter des consoles de jeux extrêmement rares parce qu'il y a une chaîne de YouTube qui parle des anecdotes du jeu vidéo et il présente beaucoup de consoles rares ou inconnues. Et ça m'intéresse. Concernant les chaînes YouTube que je regarde, bon, souvent, ça pourrait... c'est totalement random, je regarde ce qu'il y a qui m'intéresse. Et l'année 2019, ah oui, c'est vrai, il y a la musique que je mets là, une musique un peu style japonaise détente. Voilà, 2019-2020, ça y est, faut que je parle du futur. Parce que c'est vrai que Flo en a parlé dans sa vidéo et moi je vais en parler. Alors 2019, je vais prendre des vacances au mois d'août, je vais retourner en Allemagne pour cette convention là. Et donc je vais revoir mon pote. Et donc voilà, je fais de temps en temps des petits voyages à Paris juste pour visiter. Là, voilà, c'est pas grand chose. Mais 2019, voilà, je vais cette année 2019 au mois d'août, je vais retourner en Allemagne une semaine. Avec mon nouveau boulot, je peux prendre des vacances. À cette période là, je vais demander si c'est bon, je pourrais prendre cette période là parce que là, avec les années fiscales et tout, blabla, avec les vacances et tout,
Là, c'est bon, je pourrais. Concernant 2020. 2020, il y a Flo qui veut aller au Japon. Je veux aller au Japon aussi. Je veux aller en Corée du Sud aussi. Mais Corée du Sud pour une mission spéciale. Spécial, j'aimerais récupérer la version coréenne de Crash Bandicoot, La Vengeance de Cortex, qui est extrêmement rare, trouvable sur internet. Voilà, le mec il va partir en Corée du Sud juste pour aller chercher une boîte de PS2. Voilà. Et bon, j'aimerais aller avec lui également en 2020 au Japon. Et également, j'aimerais déjà aller avec lui au Japon et aussi parce que franchement il y a des belles choses à voir. Ma sœur va aller au Japon. C'est peut-être en 2020, je sais pas si elle, peut-être si elle voudra y aller. Et également, dernière chose, pour VH cette année, j'aimerais, si Flo, parce que genre, mon Flo est mon meilleur pote, s'il veut, pour la période de décembre, ce qui m'intéresserait, et si, ça l'intéresse, parce qu'il a dit que dans les Vosges, j'étais à côté de chez lui, pourquoi pas, j'ai jamais été dans les Vosges, si ça l'intéresse, qu'on puisse, faire une semaine au ski. Voilà, moi ça m'intéresserait, je vous en reparlerai peut-être un jour. C'est-à-dire que la Toon Tivre de Sufumago de 2019 peut-être sera... Je sais pas. La saison 5 sera peut-être là. Voilà, grosso modo sur la chaîne, j'ai tenté de finir ces trucs-là sur ma chaîne. Et voilà. Voilà, je vous souhaite tous une très bonne année, une très bonne santé, que ce soit dans votre carrière professionnelle ou personnelle ou pour les plus jeunes. L'école, et je vous dis profitez-en de l'école parce que quand ça sera professionnel, ce sera plus pareil. Enfin, parce que c'est les devoirs et tout qui vous embêtent. Ne vous inquiétez pas, profitez-en de la vie, et ça, le meilleur. Et moi, c'est vrai que je suis un peu démotivé, c'est vrai, mais franchement, là, avec la rétrospective que j'ai en train de me faire, je me dis tout va bien, franchement. C'est vrai que ça ira mieux. Allez, je vous dis à très bientôt, et voilà. J'espère que vous passerez une bonne année et en compagnie, en notre compagnie. Voilà. Et ciao!